Thank you.
Ok, Président Jules, on est là, tu es en train de servir? On est en train de servir, papa. On a une très très bonne soirée. Congo Justice, so many organizations they came. So we're glad to be here. Fantastic, fantastic. How's the food? It looks incredible. Well, it was a pleasure, overwhelming pleasure to have all these guests respond to the invitation. And we know that alone we won't be able to do it. So it's going to take action. But we are, as children of God, we also add prayers on top of actions, because we believe that God does through people. God works through people. So by Him sending us all these guests and friends around us, on top of the prayer for us to pray together, we know our actions will get somewhere. It will get us to some good results. Encore, Papa, merci. Message est simple. Then I'll be on English for the same message that we're going to be Lingala. Parce que ceux qui au bondeli, si mon télé m'occupe de ça, Zambé a coupé sa macasse, paye à coco qui ça, pour ça imiter mon ami. Donc on a besoin de ce motema moko to sengi qui mène en boka Congo. N'a pas ni gana besoin de ce bondeli, n'a besoin. Nous allons éliquer que Zambé a coupé ça, Zambé a coupé tia. Maëlle na yena kati na biso et puis ba auction o to zali ko anticiper na mitu na biso et ko kokisa seulement avec la prière. Bon, vraiment je loue le Seigneur, c'était fantastique. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai écouté et vraiment la fervence de beaucoup de gens qui veulent prier pour le Congo, qui sont concernés pour le Congo, ça m'a beaucoup défié. C'était vraiment très positif et je loue le Seigneur pour ça. The message is to just keep on pushing the American government, keep on pushing the European Union, and keep talking. The more we talk, the more people hear, and there's going to be more action. And in all that, we need to pray that God will give us wisdom and strength and really fight this fight, that it's just not a physical fight. It's both mentally, spiritually, and physical. Tunawatakia ukimya na salama kwa sababu tunajua ya kwamba mnateseka kule Kongo. Tunawakumbuka katika maombi yetu. Asante, tuko pamoja na nyinyi hata kama tunakuwa mbali, lakini tunakuwa pamoja kwa kimwili na kwa kiroho. Tunawapenda sana, tunawaombea na tunakuwa na imani ya kwamba Mungu atawafungula na atatupatia kima katika inchi yetu. Asante kwa sababu hiyo ni inchi Mungu alitupatia. Na tunakuwa na draw ya ile inchi na tunaamini ya kwamba Mungu atatenda maajabu. Mungu anaendelea kutenda maajabu na tunaamini. Asante. D'abord je vais dire merci pour l'ensemble des groupes qui ont pris le temps de laisser les zones de confort et venir nous joindre aujourd'hui pour cette prière. Parce que la chose la plus importante pour nous, c'est de pouvoir être en mesure de pouvoir faire connaître la situation réelle qui se passe au Congo pour qu'un jour ce pays soit libéré. C'est un travail de longue haleine, mais avec l'aide de Dieu, nous pensons qu'on va y être en mesure. Donc on ne doit pas dormir, on ne doit pas rester assis et ne rien faire. L'action de prière, c'est une action très importante parce qu'elle joint Dieu dans nos actions que nous faisons. Et quand on joint à ça, d'autres communautés, quand je vois le Congo Justice avec cette vidéo qu'ils ont montrée, ça nous permet aujourd'hui de commencer à faire connaître ce qui se passe au Congo au reste des communautés. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dehors aujourd'hui, en route, et vous demandez, vous parlez du Congo, personne ne vous dira c'est quoi le Congo.
personne dira, il y a d'autres qui vous diront que non, le Congo, c'est quoi d'abord? D'autres qui confondent que l'Afrique, c'est... L'Afrique, c'est comme un pays. Non, nous voulons que le maximum de personnes puissent commettre la réalité des choses. Parce que nous savons très bien que ce pays, les États-Unis, c'est un pays de droit. Il y a un respect des droits. Et quand les gens connaissent la vérité, les gens vont dire « up to be able to fight for the Congo and do the right thing ». Nous avons réussi à mettre sur pied un site web qu'on appelle jean316.org. Ou bien en anglais, je peux l'appeler à jean316.org. C'est un website qu'on a fait pour l'église. C'est pour encore davantage permettre de diffuser l'information qu'on veut atteindre, qu'on veut absolument que le maximum de personnes puissent connaître. Donc, please, quand vous avez le temps, visitez notre site jean316.org ou jean316.org. Et puis, vous allez voir beaucoup d'informations, y compris tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Vous allez pouvoir être en mesure de suivre comme vous pouvez. Today. Service was pretty good. I really appreciate it. But the only one side, I cannot call it downside. I call it just one side that I didn't like is we're supposed to come all together, all Congolese people. Not only all Congolese people, but all African people. Because this issue is not only happening in Congo, it's all over Africa. So we need to come up together so that we can talk about the issue. I mean, the message that I could have for people is look at the situation as your own situation. If it was you, what would you do? I know it's happening on the east side of Congo, but some people, you know, most of us came from Kinshasa, which is in the west side. But look at those people there as your own relative, you know? So what would you do when your old people are suffering like that? What could you do about it? So then, you know, you can come and so we can get it together. Message na zana mpona bande ko na biso a Congo ezaka ke na ebite ce qui message ba yo ka kite ke to okuta na mais je crois bien que l'église ou les médias l'église a tout fait pour que tout le monde na mon union sa mona qui message wana ba o ba yete je crois peut-être za musala et permettre bangote ou soit bango moko décision na bango moko personnel oui c'est ça linga passe parce que mboka na biso za mboka na biso mboka te défiter za mboka oyo ya biso c'est aux autres tika ngwe kene nengwane za malamute na ba moment boye o mipaya ba mboka mususu qui n'ont pas d'intérêt na mboka na biso ba monani biso moko to va ina bandaku za vraiment mawa mingi quoi. I guess we have a great country and with a lot of potential. We just need to all work together and build that great country. You know, we still have a lot of potential and we cannot give up. We cannot afford to give up. Congo need Congolese and we have to put all our resources together, intellectual resources, more importantly, and build the country. We can do it. We cannot, you know, like depend on anybody else. Nazala makama gumbati na kasi biso ma Congole to ebi eloni to sala to sali na potentiel belimbo kana biso zamunene. Oyo kozira bati nususte biso nusu to sangana ensemble to bungisa to tombola ambo kana biso. C'est ça. Na kani si message nazali na ngwe ezali ete il faut tout sangana ata toza ko na makama mike kati na biso po na personnalité na biso mais tozali nyoso ba congolais whatever you doing elo nyoso sala po na Congo na ko ezali ko critiquer ba société sala oyo ko ko sala biso nyoso ensemble toko tonga mboka na biso. Alors, tu vas nous détruire, critiquer, battre nos sous-sous. Oh, bah, nous sommes là. Oh, caca, nous sommes là, nous sommes là. Et là, nous sommes en été. Mais tant que les lois sont moins communes, et des délicats, nous sommes là. Les lois, bah, nous sommes là, mais ça, là, nous sommes là. Bah, les lois, nous sommes là. Dans ce pays, on a comme on avait des colonies, c'est là qu'il y a, bah, japonais, bah, là qu'il y a, bah, américains, bah, groupe négatif. Nous sommes dans la société, nous sommes dans la société. Nous sommes la politique. Nous sommes dans la Croix-Rouge. Croix-Rouge, c'est ce que nous avons dit. Il y a un peu de temps pour aider, pour penser à la plaine et pour conseiller. Nous sommes dans la politique, c'est un tête qui nous bunda. Nous sommes dans la politique. Nous sommes dans la différence. Nous sommes dans la société, nous sommes dans la société. Mais tout ce qui est critiqué, tout le monde a été.
et nous sommes plus congolais que les autres. Merci beaucoup. Notre pays étant toujours occupé par les nazis tropicaux de Kagame et Museveni, nous sommes ici pour prier pour le Congo. Non seulement pour prier pour le Congo, mais pour prendre des actions pour bouter dehors l'occupant rwandais, ougandais, burundais et pour restaurer la souveraineté du Congo qui n'est pas négociable. Et au-delà de cela, nous allons tout faire pour que les criminels qu'ils ont tués, massacrés les 8 millions de Congolais soient traduits en justice. Même s'ils sont en train d'assumer des postes étatiques et des responsabilités étatiques dans des pays comme le Rwanda et l'Ouganda, ils seront incriminés. Et nous allons utiliser les institutions américaines, nous les Congolais américains, nous allons utiliser ces institutions pour amener ces éléments criminels Kagame, Museveni et Kabila en justice avec leurs lieutenants. Nous ne permettrons pas que des chefs d'État du pays voisin du Congo tuent 8 millions de Congolais, violent 2 millions de femmes congolaises et pillent des ressources naturelles. Donc nous sommes convaincus que c'est le début. La condamnation d'hier du département d'État américain, c'est le début de la fin diplomatique de Kagame et Museveni. Merci bien. À nos frères et sœurs au Congo, nous vous disons courage. Nous sommes attaqués par des ennemis qui viennent de l'extérieur, qui veulent prendre toute notre richesse, mais aussi notre terre, la terre de nos ancêtres. Jamais, jamais, il ne faut pas céder. Il ne faut jamais donner la terre de nos ancêtres telle que nous devons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Ne jamais accepter de céder cela. Ils ne peuvent prendre cela par force. Ils peuvent prendre cette terre si nous nous accordons avec eux, si nous les recevons. S'ils ne cèdent pas, ils ne prendront pas. Courage, nous sommes à l'extérieur. Nous combattons pour vous aussi. Vous aussi là-bas combattez. Ne cédez jamais. Mais à dessus de cela, Dieu est en contrôle. Il est à dessus de tout et il nous a déjà donné cette terre. Gardons-la généreusement pour les générations futures et devons nous soutenir.